Aucun accessoire sinistre n'ajoute une signification banale. Aucun détail de mélodrame vient usurper un rôle facile. Il a suffi au peintre d'interpréter en son style sobre et magistral l'énergie des figures, l'expression des attitudes et des gestes pour dire l'ardent fanatisme de ces hommes et leur inexorable fonction. J. Alboise, l'artiste, 1889. Mise en scène un peu cherchée, ingénieuse, et qui rappelle les spirituelles combinaisons dont Jérôme a usé avec tant de bonheur. C'est ajouter le talent du romancier à celui du peintre et spéculer habilement sur notre curiosité de spectateur, arrivé trop tard. M.F. Lagenevet, Revue des Deux Mondes, 1889. Ah, l'artiste rare, sûr du présent et de l'avenir. Il ne se contente pas de composer en maître le plus naturellement du monde. Son sens de la peinture d'histoire le préserve et le préservera toujours des dangers d'une ethnographie savante. Et l'on aurait dit, Monsieur Tonnerre, qui fut toujours un coloriste, est aujourd'hui un peintre, dans la plus haute acception du mot. Et pourtant... Hélas, et pourtant... Comment fut-il possible que de tels tableaux aient provoqué un scandale? Et pourtant. Comment fut-il possible que seuls 6 tableaux... 7. Comment est-il possible qu'un simple événement mondain, un simple scandale, outrepasse les frontières d'un cercle infime, ouvrant le tout Paris et se transforme en une affaire d'État? Hélas. En ces jours, nous regardons et regardons à nouveau ces tableaux. Il n'y a rien en eux de particulièrement choquant, rien qui les relie les uns aux autres, pas même l'unité du style. Pour certains, c'est la préoccupation pour le détail qui frappe, mais en même temps, le peu de soin apporté à la composition générale. Pour d'autres, c'est le trait agile, le mouvement des couleurs, et en même temps le côté statique de la mise en scène. D'autres encore manifestent un intérêt disproportionné pour un décor théâtral qui voudrait abuser du trompe-l'œil. Mais en même temps, la mise en scène nous apparaît contradictoire. Nous acceptons de bon gré que ces 6 tableaux puissent nous poser des problèmes de ce genre. 7 tableaux. Mais un scandale, l'intervention des pouvoirs, hélas, 3 fois hélas. Et pourtant. Et pourtant, seuls 7 tableaux conservent ce muet témoignage. Un scandale de telle proportion que les pouvoirs, d'accord pour une fois, se crurent appelés pour l'ensevelir. Et la presse se tut. Et les salons furent infiltrés par des espions, et d'autres scandales de diversion éclatèrent, qui, comme par hasard, atteignait ceux qui s'étaient le plus intéressés à ces tableaux, exécutés avec plus ou moins d'habileté par un obscur disciple de Jérôme, le peintre Tonnerre. 2 remarques. 2 remarques concernant les tableaux. Et 2 remarques encore. 2 remarques de plus, mais celles-là de caractère général. Primo, il y a quelque chose qui relie les 7 tableaux. Bien que l'un d'entre eux ait été l'objet d'attaques particulièrement virulentes, et nous verrons quelles puissantes raisons poussèrent nos parents à réagir ainsi, et bien que 2 ou 3 autres d'entre eux aient été considérés tout simplement comme choquants, il ne reste pas moins que ce fut toute l'exposition qui fut concernée par le scandale. Tous les tableaux, tous, et chacun d'entre eux. Secondo, lorsque nous examinons chaque tableau en particulier,
nous ne manquons pas d'être impressionnés par un certain nombre de détails curieux. Celui-ci, par exemple. Nous voyons deux croisés en train de jouer aux échecs. Vous dites que la mise en scène est théâtrale. Bien entendu, mais que signifie théâtrale? Les gestes? La disposition du personnage? Non, pas du tout. Non, ce que vous appelez théâtrale provient d'un simple détail, l'éclairage. De ces deux rayons de lumière, l'un entré par la fenêtre de droite et l'autre par la fenêtre de gauche. Ce qui suggère un monde avec deux soleils. Et remarquez que je ne vous donne là qu'un seul exemple. Voyons maintenant les deux autres remarques, les remarques de caractère général. Considérons le cadre historique et disons. Primo, les tableaux ne montraient pas, ils faisaient allusion. Et ce que nos pères virent, et ce qui était dans toutes les bouches au moment où intervinrent les huit pouvoirs, c'était la cérémonie. Et la cérémonie, dont le rituel n'est connu de personne, et que nous parvenons à peine aujourd'hui à imaginer, la cérémonie, à cette époque, était sur le point de devenir une affaire de tous les jours. Ça ne pouvait pas durer. C'est pourquoi, quelques mois après l'exposition, la police envahit la maison du peintre et surprit la cérémonie. C'est pourquoi les huit pouvoirs n'avaient pas d'autre solution. Il fallait intervenir, et rapidement. Secondo, le peintre Tonnerre se défend. Il fait appel depuis l'Italie. Il proclame son innocence en des lettres émouvantes. Et il intervertit habilement les règles du jeu. Il déclare que la cérémonie n'existe pas, que ce que les autres ont appelé ainsi, ce que la police vit de ses propres yeux, ce n'était que la simple représentation de ces tableaux par le moyen technique des tableaux vivants, ni plus ni moins. Nous pouvons imaginer aujourd'hui ce que dut être la réaction devant cette défense au sein des huit pouvoirs. Nous devinons quel fut le sourire ironique des uns et le franc fou rire des autres. C'est ainsi que durent réagir nos parents et ça, c'était inévitable. Mais nous possédons aujourd'hui d'autres moyens d'analyse et nous croyons savoir ce que voulut dire réellement le peintre Tonnerre lorsqu'il protesta de son innocence. Trois fois coupable, il était. Quelle terrible révélation. Les tableaux ne faisaient pas allusion, les tableaux montraient, les tableaux étaient la cérémonie. Mais pourtant, les tableaux ne montrent pas, ils font allusion. Les tableaux mis en scène par le moyen technique des tableaux vivants ne font pas allusion.
Il montre. Après avoir ouvert la porte, le collectionneur nous fait entrer dans un salon donnant sur un vaste jardin. Il s'approche de la fenêtre. À l'aide d'une paire de jumelles, nous percevons au loin, vers le fond du jardin, la reproduction en un tableau vivant d'une scène mythologique. Près d'un lac, la chasseresse en méditation sur son arc. À l'abri du feuillage, le regard d'Actéon hésite entre la vision de Diane et l'apparition de la proie. Ce troisième personnage est-il vraiment nécessaire? Pourquoi cette tierce personne? Et pourquoi tient-elle un miroir? Eh bien, le miroir que vous mentionnez aurait servi à aveugler la proie. En ce sens, le rôle du tiers dans la scène de Diane et Actéon assumerait une importance inattendue. En effet, il ne serait échappé à personne que ce tiers exclu fait irruption dans la scène uniquement pour guetter le guetteur. Par ailleurs, il ne serait pas impossible que la proie ne soit autre que Actéon lui-même, métamorphosé, châtié pour avoir osé jeter un regard sur la déesse. Pourtant, qu'y a-t-il dans ce tableau qui nous porte à penser qu'il s'agit là du premier d'une série? Qu'y a-t-il en lui qui nous conduise à celui que nous pouvons considérer comme le suivant? De déranger un enchaînement un peu trop facile, je voudrais me permettre de semer un doute. Et si le thème de la Diane chasseresse n'était qu'une fausse piste? Et si les éléments insolites n'étaient que des pièges? Et s'il fallait rechercher la piste hors de la scène,
une piste qui serait révélée par un détail secondaire, mais exposé à la vue de tous. Admettons que cet extravagant accessoire de chasse qu'est le miroir nous offre au moins un fil conducteur qui est susceptible d'assurer la poursuite de l'histoire. Le collectionneur nous demande de nous détourner de la simple anecdote ainsi que de l'analyse de la disposition des objets, voire de la direction du regard du personnage. Regardez le miroir. Le miroir reflète le soleil et projette ses rayons. Suivons leur direction. Nous voyons des rayons de soleil reflétés par le miroir et tombant sur l'un des soupirails de la maison. Une partie d'échecs interrompue soudainement par l'arrivée d'un croisé. On comprend alors que le soleil entre directement par la fenêtre de gauche, tandis que la réflexion des mêmes rayons dans le miroir du tableau précédent pénètre dans la scène par la fenêtre opposée. Telle est donc la solution de l'énigme des deux lumières contradictoires. L'arrivée du croisé. Je pense que à personne ne serait échappé le côté insoutenable de l'anecdote. D'où vient ce croisé? Que surprend-il? Comment, puisqu'il vient directement de la croisade, a-t-il pu faire irruption dans cette scène et surprendre les joueurs? Et les joueurs? Que cachent-ils, les joueurs, pour qu'il puisse être ainsi surpris par l'arrivée soudaine d'un nouveau personnage. D'un nouveau personnage. Je pense que à personne ne serait échappé la présence inquiétante du page qui, devant les autres personnages du tableau, fait montre de sa consternation et alors que nous, et nous seuls, nous apercevons son sourire contenu. Si nous acceptons que ce tableau suit le précédent à l'intérieur de la série, lequel pouvons-nous envisager comme le suivant et pourquoi? Je pense que vous aurez remarqué que les personnages sont tous des Templiers. Comme vous le voyez, le peintre a respecté l'ordre hiérarchique à l'intérieur de la commanderie. Considérons cette hiérarchie. À l'échelon le plus bas, et quasi marginal par rapport à la composition, le page. Puis les deux Templiers, égaux devant le grand maître. Bon. Respectons l'intention du peintre et observons minutieusement le grand maître. Quelle est son attitude? Examinons avec une minutie renouvelée chaque détail de ses vêtements.
son regard sévère, sa main gauche crispée. Et acceptons le geste surprenant de sa main droite qui signale impérativement le miroir. Un miroir qui reflèterait quoi ? La fenêtre derrière laquelle, dans le premier tableau, un autre miroir reflèterait le soleil qui pénètre par la fenêtre de ce tableau. Vulgaire spéculation. Peut-être pourrait-on déjà suggérer l'hypothèse d'une collection de tableaux dont la relation interne est assurée par un jeu de miroirs. Spéculation. On pourrait considérer l'œuvre du peintre comme une vaste réflexion sur l'art de reproduire. Absolument pas. Non, c'est pas ça qu'il faut voir dans ce tableau. Non. Il faudrait envisager l'ensemble d'une façon totalement différente. Ou alors, nous tombons dans le piège qui nous est tendu. Non. En ce cas précis, ce qui est à considérer, c'est la forme du miroir. Mais attention, prudence, car ici encore, il y a un autre piège. Ne nous arrêtons surtout pas à la signification de cette forme dans le thème du tableau. Tout le monde sait, et chaque jour plus, que le croissant de lune est un symbole sarrasin. Et personne ne peut ignorer que la présence d'un tel signe impie à l'intérieur de la commanderie est une chose pour le moins surprenante. Tous savent aujourd'hui, et ils ont du mal à l'accepter, mais tous savent que la présence de ce signe dans cette confrérie était, hélas, probable. Mais ça n'a aucun intérêt, tout ça. C'est pas ça qui importe. Non, ce qui importe, c'est la forme même. Le fait que ce croissant soit reproduit dans un autre tableau que maintenant, je vous invite à observer. Une série de tableaux reliés par des éléments secondaires qui sont, parfois, habilement disposés hors du thème. Le rayon de lumière dans le miroir, le second miroir en forme de croissant. Et maintenant, je voudrais vous demander de porter votre attention sur le soin extrême avec lequel le peintre a placé le miroir. Si bien que, vraiment, il est impossible de se tromper au moment où on le dispose dans le tableau vivant. Et un tel soin serait-il justifié ? Et de quoi le peintre se serait-il préoccupé, si ce n'est d'attirer notre attention sur ce qui serait réfléchi par le miroir une fois le tableau mis en scène ? Regardez, c'est lui qu'on voit reflété dans le miroir. Mais voyons à présent l'éclairage. L'arbitraire du clair-obscur n'échappera à personne. Pourquoi faut-il que certains, pas nécessairement les plus importants, soient privilégiés par l'éclairage ? Et pourquoi d'autres doivent-ils demeurer dans l'ombre ? Mais écartons la question de l'éclairage et limitons-nous aux figures. Tout s'éclaire. Invertissons les règles de l'éclairage. Que ce qui était plongé dans la pénombre soit éclairé et que ce qui se voyait clairement retourne à la pénombre. Le masque. Voici l'élément de liaison avec le tableau suivant. Et alors nous demandons, quel est ce tableau et pourquoi le masque nous y amène-t-il ? Et alors le collectionneur nous explique que ce tableau n'existe pas, qu'il s'agit là du tableau volé, et que ce que l'on sait de lui, c'est qu'il y avait un masque. «
il se pose à présent un certain nombre de problèmes. En admettant que le tableau antérieur nous mène vers celui-ci, il est évident que la série sera interrompue et la piste perdue. Comment pourrons-nous retrouver l'ordre des tableaux ? Nul ne saura jamais ce qui, dans ce tableau, devait nous porter à celui que je postule comme le suivant. Voilà le tableau du scandale refusé par le salon de 1887. Ce tableau aurait été exposé en privé et acquis inexplicablement par l'État. Qu'est-ce qui, dans ce tableau, aurait pu provoquer un scandale ? Suffisait-il de montrer des personnages de la bonne société dans des situations demeurant fort banales, en prétendant qu'ils avaient accepté de poser comme modèle pour ce tableau. Ce tableau ne pourrait-il être interprété comme une façon d'étouffer les rumeurs qui furent à l'origine du scandale et qui ternirent la réputation d'une honnête famille ? Qu'y aurait-il de scandaleux dans ce cas? Peut-être le fait d'avoir posé dans cette scène de la vie de famille, si banale et innocente soit-elle, peut-être ce seul fait a-t-il été considéré en lui-même comme tout à fait inacceptable. En effet, bien que les scènes soient effectivement banales, il n'en est pas moins vrai que le seul fait de s'exposer ensemble, le seul fait de faire poser ensemble tous les protagonistes du scandale, pourrait être interprété comme une ostentation, une reconnaissance et une acceptation de ce que la rumeur publique aurait appelé un vice inconfessable. Par ailleurs, ces scènes sont-elles si innocentes? Et pouvons-nous affirmer qu'elles sont totalement exemptes de certains aspects obscurs? Qui sait si ces scènes ne nous révèlent pas des aspects inédits du scandale, de telle façon qu'ils sont tout de suite aperçus par les initiés? Il y a effectivement quelque chose d'inquiétant dans ces scènes de la vie quotidienne. Nous pouvons observer que dans chacune d'elles, quelqu'un vient de commettre ou s'apprête à commettre un acte répréhensible que nous ne voyons pas. Que dans les deux cas, un troisième personnage est en train de guetter. Et par son attitude de franche réprobation, provoque le désir de réaliser l'acte interdit. Réprobation qu'il exhibe devant le spectateur, mais qu'il cache au personnage, peut-être pour se prémunir contre toute accusation ultérieure de complicité. Pourtant, la mise en scène nous montre que ceux qui viennent d'être surpris tournent ostensiblement le dos à l'espion.
comme l'aspect répréhensible de cet acte réside dans l'intention, la manifestation de ces moments n'est-elle pas bien pire? Ne nous ouvre-t-elle pas un nombre illimité de possibilités d'interprétation? Des possibilités qui dépassent l'acte lui-même, lequel eut lieu effectivement, nous ne le nierons pas désormais. Mais cela ne suffit-il pas à provoquer un scandale? En outre, je dois dire que les fêtes et la rumeur publique nous sont parvenues au moyen d'un petit roman à clé. Un bref résumé de ce petit roman va nous donner une idée de l'énormité du fait que la rumeur publique a tenté de taire. Le début de ce petit roman nous décrit une scène de fiançailles. La marquise de I offre une petite réception à ses amis pour annoncer les fiançailles de sa nièce, dont elle est la tutrice, avec un ami de la famille, le marquis de E. Dès le premier chapitre, la marquise nous est présentée comme une femme autoritaire, dominée par une ambition démesurée. L'auteur anonyme ne cache pas sa sympathie pour le marquis de E, qu'il dépeint comme un homme de 35 ans environ, de caractère affable, et que sa famille récemment ruinée aurait poussé à faire un mariage de convenance. Le marquis nous est montré comme la victime d'une intrigue subtile, montée de toutes pièces par la marquise de I. À la fin du premier chapitre, la marquise croit entrevoir chez le prétendant de sa nièce un intérêt suspect pour le jeune L, neveu de la marquise et dont elle est la tutrice, et qui nous est décrit comme un garçon d'une gentillesse extrême et non totalement inconscient de l'intérêt qu'il éveille chez le marquis de E. L'auteur nous a auparavant informé de l'intention de la marquise de marier les deux cousins, le jeune L et la jeune O, afin de réunir les fortunes des deux branches collatérales de la famille. En obtenant la main de la jeune fille, le marquis de E a réduit à néant les plans de la marquise. Mais la découverte de l'intérêt porté par le marquis au jeune garçon l'amène à imaginer le plan sinistre qui nous est exposé au chapitre 2 et qui consiste à favoriser la relation entre le marquis de E et le jeune L afin de provoquer un scandale qui, en abattant la réputation du marquis, rendrait impossible tout mariage ultérieur avec la jeune O. C'est alors que les choses se compliquent, avec l'entrée en scène d'un nouveau personnage, El Señor de H, chevalier espagnol de l'ordre de Malte et ministre conseiller de son pays devant le Saint-Siège. Se sentant lui aussi attiré par le jeune L, ce personnage aurait provoqué la jalousie et la rivalité du marquis de E. Comme E et H sont amis de longue date, en raison de leur affiliation à la même société secrète, leurs différends se régleraient au moyen d'une partie d'échecs, au terme de laquelle le perdant devrait s'engager à renoncer définitivement aux faveurs hypothétiques du jeune L. Cette scène ayant été surprise par la jeune fiancée, qui aurait entrevu, sans le comprendre vraiment, le côté trouble de la scène, celle-ci aurait conté le tout à sa tante, qu'au chapitre 4, nous voyons décider à mettre son plan en action. C'est à cette fin qu'elle invite le marquis de E à un tête-à-tête.
Tandis qu'il arrive au lieu de rendez-vous, le marquis surprend la marquise demi-nue et s'exposant à ses yeux avec défi. Comprenant alors que la marquise fait ainsi allusion à son peu d'intérêt pour le sexe féminin, il laisse la colère le gagner et tente de la frapper. Cette scène est surprise par la jeune nièce qui y voit une dispute entre amants et, convaincue que son fiancé la trompe, décide d'affronter sa tante. Au chapitre 5, comprenant qu'elle a sans le vouloir contribué à renforcer la relation entre les fiancés, la marquise invite la jeune O à un rendez-vous clandestin. La marquise révèle alors à la jeune fille les mœurs contre nature de son fiancé. Celle-ci ne voit dans cette révélation qu'un stratagème destiné à l'éloigner de lui et réagit violemment. La dispute est surprise par H, qui décide de rencontrer la marquise et de lui proposer une alliance dans le but d'éloigner le jeune L du marquis. C'est ainsi que, pour la première fois dans l'histoire, le jeune L prend l'initiative et confesse son amour à la marquise. La scène est surprise par la jeune fille, doublement jalouse de sa tante, mais qui, en son fort intérieur, hésite entre le jeune L et le marquis et va se confier à son fiancé. Ces révélations provoquent chez le marquis une dépression profonde, qui s'accentue encore dès lors qu'il surprend une scène étrange entre le jeune L et H. Dans cette scène, H, une tête de cerf dans la main, tente de convaincre le jeune garçon de poser en Diane chasseresse. En faisant irruption dans la scène, le marquis provoque la colère de son ami H, qui lui jette au visage le manque de loyauté qui est le sien, pour n'avoir pas tenu sa promesse en ne s'éloignant pas du jeune L. L'intervention de ce dernier, qui reproche à E de l'avoir abandonné aux mains d'un étranger, avive la dispute. Dans le chapitre 10, nous découvrons la scène du duel entre E et H, au cours de laquelle le jeune L sert tout à la fois de juge, de témoin, de parrain et de motif du duel. Alors intervient la jeune O, désespérée, et se croyant la cause du duel, tandis que la marquise regarde la scène de loin et voit enfin venir le scandale qu'elle attend depuis des mois. Malheureusement, les deux adversaires ratent leur tir et la balle de H blesse accidentellement la jeune O. La police arrête les protagonistes du duel, mais la famille E intervient et parvient à les faire libérer promptement. Accusé d'un quasi-homicide, H se voit dans l'obligation de se faire passer pour fou afin d'échapper à la justice et il est interné dans un asile non loin de Paris. Dans l'avant-dernier chapitre, nous retrouvons la jeune O, alitée par suite de sa blessure. En proie à une fièvre intense et au délire, elle se voit en Sainte Thérèse d'Avila, tandis que son cousin devient l'ange qui la conduira aux cieux. Le marquis lui rend visite, mais croyant voir en lui le démon lui-même, elle le chasse violemment. Dans un délire différent, et se prenant cette fois pour une prostituée babylonienne, la jeune O repousse son ange sauveur et implore le marquis, en qui elle continue de voir le démon, afin qu'il la conduise en enfer selon l'ordre qu'elle aurait reçu de Sainte Thérèse d'Avila en personne. Au terme d'une longue et douloureuse convalescence, la jeune O pardonne au marquis de E. Nous trouvons tous les personnages de l'histoire au sein d'une réunion de famille. Au dernier moment,
réapparaît El Señor H, qui a fui l'asile grâce aux autres membres de la société secrète avertis par la marquise. H accuse publiquement E de n'avoir pas tenu sa promesse, car il n'a pas cessé d'importuner le jeune L, lequel intervient à son tour et reproche à H de l'éloigner de sa tante. La jeune O, comprenant enfin la situation, rompt avec E. Mais l'histoire ne se termine pas comme l'aurait souhaité la marquise. Durant cette même nuit, le jeune L est enlevé par H, aidé par des membres de la société secrète, et conduit dans un hôtel 6 rue de la Pompe, appartenant à la secte. Promptement averti par la marquise, la police intervient et interrompt une étrange cérémonie dont le jeune L est le sujet, à la fois sacerdote et objet de sacrifice. Tous les protagonistes se retrouvent en prison et ne se libèrent qu'au moyen d'une importante caution. Le jeune L est retrouvé pendu dans sa cellule et l'on parle alors soit de suicide, soit de crime. Accepterons-nous donc que ce qui se cache derrière ces tableaux n'est autre que le sujet d'un roman? Nous dirons donc que les protagonistes ne firent que représenter ce que comptait le roman, comme s'il s'agissait d'une cérémonie. Nous n'avons pas encore tout vu, ni tout dit. Il reste deux tableaux. C'est avec peine que nous sommes parvenus jusque-là. Serons-nous capables d'atteindre la fin de cette histoire? Nous souviendrons-nous de tous les arguments et contre-arguments développés? Aurons-nous le temps d'exposer d'autres doutes, de signaler les innombrables fils conducteurs de l'intrigue? Nous distinguons dans ce tableau certains éléments déjà entrevus dans les tableaux antérieurs. Ce groupe, par exemple, nous rappelle le tableau Torture de l'Inquisition. Cet autre, la partie d'échecs. Ce personnage évoque Diane Chasseresse. Et les autres personnages, et les femmes nues, et les bouffons et démons. Eh bien, nous expliquons la présence de ces personnages au moyen de l'hypothèse du tableau volé. Le collectionneur nous demande donc une fois de plus d'oublier le fil conducteur pour nous concentrer dans la mise en scène du tableau. Dans ce tableau, comme dans les précédents, les personnages sont placés trois par trois. Chaque groupe de trois nous rappelle une scène d'un tableau précédent, bien que, pour ainsi dire, aucune histoire ne les relie. Revenons mentalement au tableau antérieur. Suivons à partir de là le fil conducteur. Nous constatons que l'histoire se poursuit de tableau en tableau dans le sens des aiguilles d'une montre. Demandons-nous vers où nous amène la série des scènes de la vie de famille. Examinons à présent les attitudes des personnages du tableau du scandale. Suivons les gestes de chaque personnage, tableau par tableau. Nous voyons donc qu'en se déplaçant d'un tableau à l'autre, les personnages complètent lentement le cercle, chacun à sa manière. «
On m'objectera que le cercle n'est pas parfait. Mais il s'agit en réalité de lignes courbes qui, reliées de façon imaginaire, forment des cercles de diamètres inégaux. Et ces cercles peuvent être classés, grosso modo, en trois groupes. L'importance décroissante. Et les cercles de chaque groupe, une fois superposés, produisent sans doute respectivement des sphères. Des sphères que nous pouvons à leur tour imaginer superposées ou non, sans qu'elles cessent d'évoquer des sphères. Mais tout mouvement effectué par un être humain laisse un tracé imaginaire assimilable à une courbe. Nous reviendrons sur ce thème. Suggère des cercles. Des cercles qui nous amènent à la sphère. La sphère ardente qui domine le dernier tableau de la série. Le Baphomet, démon androgyne, principe de la non-définition, défi au temps. Un corps immaculé, sans âme, caressé par des brises qui sont des âmes errantes, sans corps. Harcelé aux sept orifices par des âmes errantes qui cherchent leur réincarnation. Des âmes qui désespèrent déjà du jour de la résurrection. Mais n'est-ce pas ce que nous avons vu répété dans tous les tableaux? N'est-ce pas le centre même des tableaux? Leur thème occulte? La véritable raison du scandale? Adoré par les Templiers? Religion dans la religion d'un État dans l'État? Adoré encore de nos jours, lors de cérémonies secrètes, déguisé en vulgaire partout. C'est là donc la véritable cause du scandale. C'est cela. Pourtant, si tous les tableaux traitent du culte de l'androgyne, quel rôle joue donc celui de Diane Chasseresse? Nous expliquons ce tableau par l'hypothèse du tableau volé. À présent, visiblement épuisé, le collectionneur nous invite à regarder d'un œil neuf l'exposition du peintre Tonnerre.
Ce que vous avez vu n'est qu'une partie des réflexions que ces tableaux m'ont inspirées au cours des ans. De là peut-être leur caractère fragmentaire. Mais aujourd'hui, après que j'ai une fois de plus représenté pour vous la cérémonie, un doute m'assaille. Et je me demande si un tel effort en valait bien la peine. J'avoue avoir bien des doutes. Certes, l'énigme est dissipée, et cela devrait nous satisfaire. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Quelle importance pour nous, simples mortels, que les huit pouvoirs craignent la célébration d'un culte, car ce culte est l'expression de quelque chose de plus vaste. Quelle importance pour nous, simples êtres de ce monde, que ce quelque chose de plus vaste soit la résurrection du culte de Mitra. Et serons-nous nous intéresser au fait que un tel culte est pratiquement l'équivalent de la discipline militaire, et que les manœuvres militaires, les défilés, le grandiose ne sont qu'un aspect de la cérémonie que ces tableaux complètent. Saurons-nous nous effrayer à la découverte que la vie militaire et tout ce que ces tableaux représentent sont la cérémonie, dont l'expression solennelle signifie l'annulation mutuelle des célébrants, la guerre totale? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Une telle explication serait bien trop longue pour que nous puissions la retenir. Et l'habile stratagème qui consisterait à la diviser en trois énigmes superposées ne vous aiderait pas davantage à arriver à bon port. Et pourtant, je sais que quelque chose restera. Je sais qu'en ce moment, les tableaux commencent à s'effacer de la mémoire. Que le piège tendu par le peintre Tonnerre commence à produire son effet. Les gestes, les mêmes gestes répétés de tableau en tableau, surgissent isolément pour mieux effacer les tableaux eux-mêmes et ce qu'ils représentent. Alors, oublions, laissons les tableaux s'effacer. S'évanouir, afin qu'il ne reste plus que les gestes seuls, isolés, les gestes de la cérémonie. Cela dit, le collectionneur nous accompagne aimablement jusqu'à la porte.